Oasis des mots. Aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation de l'unité didactique numéro 4. On va commencer par l'oral. Décris la page 130, bien sûr. Décris ce que font ces professionnels dans chacune des images. Donc, bien sûr, dans la première image, on va écrire Hachi, malgré qu'on va. C'est un oral. Donc, on a le pâtissier. Donc, le pâtissier, qu'est-ce qu'il fait bien sûr? Prépare des bons gâteaux. Donc, le pâtissier qui jette des bons gâteaux. Ça, c'est pour la première image. La deuxième image. La couturière, qu'est-ce qu'il fait? Fait de belles robes. Fait de belles robes. La troisième image, le médecin. Donc, il prescrit. Une liste des médicaments ou bien il écrit, on va dire écrit la liste des médicaments. Donc, la lecture maintenant, je lis le texte suivant. Donc, Farid est un arbitre de football. Il travaille avec un sifflet et des cartons jaunes et rouges. Il est spécialiste des règles du jeu. Les joueurs le respectent. Donc, on va expliquer le petit texte. Donc, Farid est un arbitre de football. Yani Farid Hakam ديال كرة القدم. Il travaille avec un sifflet qui خدم بالصفارة بطاقة حمراء وبطاقة صفراء. Et les spécialistes des règles du jeu, les joueurs le respectent. Donc, l'écrit maintenant, réécrit ces phrases en séparant les mots. Donc ici, les musiciens. Donc, les musiciens accompagnent le chanteur. Voilà. La question suivante, remet les images en ordre et raconte l'histoire en utilisant les mots suivants. Donc, Rachid, grand-père, la pêche, gros, poisson, pêche. Bien sûr, la première image. La première image, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire, je vais. Il a dit la première image. Je vais à la pêche. On dit, M'chil Saïd, avec grand-père. Bien sûr, la deuxième image, c'est ça la deuxième image. On jette la ligne dans la rivière. La ligne dans la rivière. Dans la rivière. J'attrape un gros poisson. J'attrape. Un gros
poisson. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'évaluation et la consolidation de l'unité didactique numéro 4. Voilà, c'est la troisième image lorsque l'enfant a attrapé un gros poisson.